Bonjour à tous, ça va ou pas, comme style. Aujourd'hui, on va parler du voile. Pas le voile dans le bateau, non. Pas le voile. Est-ce que vous savez que dans le monde, il y a du chômage? Mais les gens, ils s'en foutent. Au Bangladesh, il y a des gens qui travaillent qui ont 5 ans. Mais ça, on s'en fout. En Afrique, il y a des gens qui sont morts de faim. Mais ça, on s'en fout. Parce qu'il y a le voile dans le monde. Il faut l'interdire, il faut l'anéantir, il faut le tuer. Parce qu'une femme voilée, c'est une soumise. C'est une esclave. Ou est-ce ils disent qu'une femme voilée, c'est une femme qu'on lui a imposé le voile. Qui a fait ça? Son mari. Et celle qui n'est pas mariée, on fait quoi avec elle? Et celle qui sort du hammam, on fait quoi avec elle? Et celle qui n'aime pas ses cheveux, on fait quoi avec elle? Et celle qui vient de faire un brushing, on fait quoi avec elle? Moi, j'ai tout compris dans la vie. Sauf les gens qui se mêlent de la vie des autres. Une femme, elle s'est réveillée un matin. Musulmane, chrétienne, juive, on s'en fout. Elle veut mettre un truc sur sa tête. Ah, ou toi, tu lui dis non? Ah, t'es malade. Une meuf qui veut être nue dans la rue, ils disent ouais. Une meuf qui ne veut pas être nue dans la rue, ils disent non. Alhamar, tu veux quoi? Et ce qui me tue le plus, c'est les gens qui passent à la télé et te disent cette femme elle met le voile parce qu'elle est soumise. Alhamar, d'où tu sais ça? Elle va dormir, va. Mais attention, quand tu mets le voile et t'es pas musulman, ça c'est pas grave. Mais quand tu mets le voile et t'es musulman, ça c'est la merde. Est-ce que vous savez qu'en France, il y a une ministre, elle s'est réveillée un matin, elle a dit que les femmes voilées, c'est comme la période de l'esclavage. Je te jure, la seule phrase que tu mérites, madame la ministre, va dormir, va. Et juste pour finir, j'ai envie de vous dire un truc très important. Arrêtez de vous mêler de la vie des autres. Une fille qui a envie de mettre un truc sur sa tête, elle le fait. Tant que c'est sa tête à elle et pas la tête à toi. Donc une fille qui sort dans la rue, elle a envie de mettre un bouton, une chaussette qui pue, un voile. Elle met même son père sur sa tête. Il est où le problème? C'est sa vie.